Hello, bienvenue, bien le bonjour chez vous. Que diriez-vous d'un petit ragoût de porc au cresson? Vous allez voir, simplicité odorante, c'est merveilleux, vous allez voir, c'est super. Pour ceci, eh bien, il vous faut de la gîte de porc, vous coupez ou vous faites couper par votre boucher, vous voyez, en cubes. Du cresson, vous avez bien lavé, oignon, tomate, poivre, sel, paprika, huile d'olive et c'est tout. On prend une cocotte tank. Voilà, on y met le feu. L'huile d'olive. Trois cuillères à soupe environ. On fait chauffer notre huile. Et là, on va faire revenir nos morceau de gîte de porc. Voilà, quand vos morceaux sont colorés, on va les mettre en réserve. Voilà, pour dire jusqu'ici. Prenez vos oignons. Allez, on couvre. Le temps qu'ils blanchissent un petit peu. Et je mets des tomates. Le cresson. Vous rajoutez votre viande. On va saler. Poivrer. Un petit peu de paprika. Mettre ça sur feu doux. Vous couvrez, fait 45 minutes que ça cuit à feu très très doux. Regardez ça, c'est génial ça. Et vous avez vu, le jus s'est fait tout seul avec les légumes et le gras de la viande. Donc pas besoin de rajouter d'eau. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va dresser notre plat de service. Alors je cherche ça avec un petit peu de riz, ça va bien ensemble. Notre ragoût de gîte de porc au cresson avec un petit peu de riz. Super, ben écoutez, très très bon appétit et puis on se dit à bientôt.